C'est comme une rivière. Un courant fort qui descend, où tout est entraîné avec elle. L'humanité, c'est cela, un courant qui entraîne tout avec elle. Et nous sommes pris dans son engouement, dans tout ce qui se joue, dans tout ce qui se passe. Nous sommes à la merci d'un courant qui coule vers la perdition. Sont rares ceux qui remontent le courant. Et tu vois, ce courant dans lequel l'humanité est entraînée, elle entraîne tout avec elle. Tous ceux qui n'ont pas la force de remonter le courant va être entraîné avec elle. Alors moi, je te dis que probablement, nous sommes tous ces êtres humains qui avons formé l'humanité. Et l'humanité maintenant sombre dans un déclin parce qu'il n'y a plus l'eau vivante de la source d'origine. Ce que nous sommes entraînés par tous les débris, toutes les choses qui ont été racontées, toutes les choses qui ont été faites. Et nous sommes pris là-dedans, nous sommes embarqués. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de remonter la source? Et qu'est-ce que c'est cette source? Ce serait bien de le découvrir. La source, c'est l'origine, bien sûr. C'est à partir de là où tout commence, tout se manifeste, tout se fait là, dans l'instant où tout se meut, tout apparaît, tout est émerveillant. La chose, c'est que tout ça devient du passé. Ça devient ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été vécu. Et tous ces vécus, en fait, on les mémorise. Et parce que nous mémorisons ces vécus, elles font partie de nous et nous coulons avec le vécu. C'est-à-dire, nous sommes entraînés à garder les références de ce que la source fut. Et nous essayons, en nous laissant entraîner par le courant de l'humanité, de faire en sorte que nous n'oublions pas ce qu'il y a de véridique, la source. Et donc, nous essayons de remémorer tout ça et de le remettre en œuvre. Mais quand tu as coulé depuis longtemps, que tu es emporté par le courant, tout ce que tu peux faire, c'est de remémorer, de rejouer, de répéter, et rien d'autre que ça. Donc, il faut que tu repartes à la source de ce que tu es pour être vivifié et être vraiment dans toute la capacité de ce que tu es vraiment. Cette source de laquelle, de qui tu es, cette source coule en toi. Mais tu n'es plus avec la source. Et c'est ça qui est notre problématique à nous les êtres humains, c'est que nous avons oublié ce que c'est cette source, cette légèreté, cette indépendance, cette joie d'être, cette joie de vivre sans conflit, sans qu'il y ait des idéaux qui se contredisent, quelque chose qui est vécu d'instant en instant et qui nous émerveille. C'est pas que cela t'émerveille toi et lui là-bas, mais qui nous émerveille, parce que la source, elle est la même pour tout le monde. Tout le monde a la même manifestation. Ce qui s'exprime en soi, c'est la vie. La vie est la source de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et après des millions d'années,
que sommes-nous devenus aujourd'hui? Tu peux le voir, hein? Voir que nous sommes dilués, nous sommes éparpillés, nous sommes divisés les uns des autres. Nous ne sommes plus une source. Et tout ce que nous sommes devenus se contredit les uns les autres. Et c'est pour ça que nous avons ce genre de société que nous nous côtoyons les uns les autres dedans. Nous avons ce genre, ces modes de vie où il y a des disputes, des batailles, des rivalités, des déceptions, des frustrations. Parce que nous ne savons plus c'est quoi être présent à ce que nous sommes vraiment. Cet authentique soi qui se manifeste d'instant en instant et qui a cessé de se manifester parce qu'elle répète ce qui a été fait, le vécu, les références que nous avons, ce que nous avons connu, et bien tous, on le répète. Et ça a formé notre humanité. Ça a formé dans l'humanité une entité qu'on appelle moi. Et ce moi n'est pas commun, n'est pas seulement toi, c'est tous les moi sur la planète Terre qui est exactement la même chose. C'est la source qui s'est diluée et qui remémore le passé. Et nous sommes tous impliqués là-dedans. Ce n'est pas ton ego, mon ego, c'est l'ego qui appartient à l'humanité. Et nous en sommes héritiers de ça. Nous avons hérité de ça. Si tu peux comprendre que ce que tu as hérité crée le chaos dans le monde, alors peut-être que tu peux le regarder et voir que cela ne t'appartient pas quelque part. En réalité, toi, tu es la source, tu es quelque chose au-delà de tout ce qui a été fabriqué. Et dans cette source, il y a une grande liberté, une grande authenticité, une intégrité, une générosité, une joie. Et il y a une intelligence. Parce que quand l'esprit est ankylosé avec toute la démarche que nous avons accepté de faire pour se faire chacun sa petite bulle où on s'isole et on devient peu intelligent parce qu'on n'a plus de capacité, on a renié nos capacités. Donc on est devenu quelque chose qui est tout petit par rapport à ce que nous sommes vraiment. Ce que nous sommes, c'est grandiose. C'est extraordinaire, c'est infini, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais nous nous sommes limités à un petit quelque chose au milieu de l'univers. Et cette petite chose insignifiante que l'on appelle moi, ne voit pas très loin, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et c'est ça. Le problème, c'est que quand on est comme ça, alors avec tous les autres personnes, eh bien, on ne forme qu'un seul. Nous sommes tous un, mais nous sommes devenus ça. Ce que nous sommes là, un, nous sommes devenus cette entité, moi, qu'on a puisé dans un réservoir commun, je dirais, qui est l'héritage de l'humanité qui a été donné aux hommes qui suivent après eux, et chacun puise là-dedans, puise sa compréhension, il se sort son personnage, son caractère et tout ça. Mais tout ça appartient à l'humanité, ce n'est pas toi. Ce que tu es est au-delà de tout ça. Tu as la possibilité de voir la vie d'une autre manière, d'un regard depuis en dehors de tout ce qui se joue, en dehors de tout ce qui a été manifesté. Tu es le regard depuis la manifestation elle-même. Tout a été manifesté à partir d'un regard pur. Et ce regard, quand tu as ce regard,
alors tu vois tout le désordre. Et tu deviens acteur de l'ordre. Parce que tu sais comment traverser l'existence sans créer le désordre, sans que l'entité moi s'accapare, divise et rend les choses monotones et en rivalité. Parce que c'est ce qui se passe. La pensée que nous avons, tout ce que nous avons hérité, a créé de la division. On est divisé les uns les autres parce que on croit qu'on est différent les uns les autres. En ayant un moi un peu plus gros, avec une grande fierté, eh bien on est différent de celui qui n'a rien. Donc on croit qu'on est différent, parce qu'on s'est habillé de quelque chose de mieux que l'autre. Donc on pense qu'on est quelqu'un de plus, de mieux. Mais ce n'est qu'un habillage, ce n'est qu'une image que tu donnes. Tu n'es rien d'autre que rien, un insignifiant petit être. Mais au-delà de toute cette insignifiance, on est grandiose. Et ce grandiose, c'est tous, tout un chacun est cette chose. Mais dans le monde, on se donne une image de ce grandiose, parce qu'on veut ressembler à ce qui est beau, ce qui est fort, ce qui est grand, et on se le pavane aux autres, alors que tu n'as pas besoin de faire ça, tu es déjà grand. Mais celui qui le fait pour son compte personnel, c'est individuel, chacun pour soi dans ce monde. Et c'est ça qui crée la rivalité, c'est ça qui fait que nous sommes séparés les uns des autres. Parce qu'on se fait croire à soi-même que le rôle qu'on a, qu'on joue, est au-dessus du rôle de celui qui joue un rôle plus petit que le tien. Le balayeur est différent du riche. Donc on a tout comparé. On a le riche, le pauvre, le grand, le petit, le joli, le vilain. On a comparé. Mais en comparant ainsi, on a divisé ce qui était un seul tout. Il faut savoir que quand on vit de cette manière, on n'est pas vrai. Et pour être vrai, justement, il est nécessaire de renoncer à toute cette attirail que l'on a fabriquée pour pouvoir revenir à ce que l'on est d'origine. D'origine, on a tous la capacité d'aimer. On a tous la capacité d'être joyeux. On a tous la capacité de se prendre par la main et de s'entraider, de s'aider, de vivre ensemble sur cette belle planète. On a tous cette capacité. Mais ce qui nous empêche, c'est parce qu'on a créé ces personnages, c'est moi qui se valorise par rapport à l'autre. Et donc, il y a de la méfiance dans ce monde. Personne ne se côtoie vraiment. On se côtoie, mais à condition qu'il ait quelque chose à m'offrir, à condition que l'image que j'ai en face de moi me plaise. Tu vois ? Mais personne sur cette planète. Autant de personnes qu'il y a sur cette planète. Personne ne sera à ton goût. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est à toi que tu dois, en toi, que tu dois regarder où trouver cette paix. La paix que tu as besoin pour traverser l'existence avec harmonie, avec paix. La paix avec toi-même, qui ne soit pas dans la dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être, pour faire plaisir, pour avoir de la faveur,
Donc, ce que tu es est crucial de comprendre, de voir qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être ce que tu es vraiment, de ne pas être à la source, de ne pas être cette source qui coule, de ne pas manifester cette source. Parce que ce que l'on manifeste, chacun d'entre nous, c'est la mémoire de ce qu'on a vécu. Mais cette mémoire n'existe pas. Elle se constitue justement, comme on disait, de la personnalité, du caractère qui a été forgé à travers les siècles. Et on se le refourgue comme ça, de génération en génération. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut abandonner cette entité pour se retrouver, pour être présent, pour manifester ce que tu es, c'est-à-dire cette source vivante, magnifique, qui n'a rien à répéter, qui est toujours neuve. Alors, est-ce que tu es toujours neuve? Est-ce que tu es neuve ou est-ce que tu restes dans les habitudes et tu répètes toujours les mêmes choses? Est-ce que tu es prêt à sortir de avoir un imprévu, sortir des sentiers battus? Parce que, tu vois, c'est ce que nous sommes devenus, nous les êtres humains. Nous avons des sentiers battus et nous avons peur d'aller au-delà de ce qui est connu. Parce que ce qui est connu, c'est rassurant, tu vois. Mais ce que nous vivons est essentiel. Parce que si nous ne le vivons pas, alors nous serons prisonniers d'un passé. Nous serons prisonniers dans le temps. Le temps nous aura mis en prison. Et on tournera dans le temps. Et le temps, tu sais comment c'est. Le temps se répète tout le temps. Le temps te prend et tu cours. Dans ce temps qui te prend, qui t'accapare, tu es toujours en train de courir pour gagner quelque chose. Parce que tu penses qu'il y a quelque chose à gagner. Le temps te le propose d'ailleurs. Tu dis demain, tu seras mieux. Demain, il y aura quelque chose qui va t'arriver. Et jamais ça n'arrive vraiment. Toujours tu restes insatisfait. Donc le temps est ton ennemi. Il faut que tu saches que tout se passe là, maintenant. Quand on se parle là, à ce moment où tout coule, il y a la vie qui émane de toi, c'est ça qui fait que le temps ne se dissipe. Et tu vis là, cet instant-là, elle est toujours neuve. Et il n'y a pas de répétition dedans. Tout est extraordinaire parce qu'il n'y a plus rien d'ordinaire. Voilà pourquoi cette prison que nous avons sur la planète Terre, ces courants dans lesquels nous nous sommes embarqués, qu'on afflue vers la déception, vers l'ignorance, on afflue vers ça. On afflue vers la catastrophe. On peut tous le voir que le monde va à la catastrophe. Et si on ne fait rien, il ne restera que des ruines. La beauté sera effacée. Tu ne voudrais pas que ça arrive à tes générations d'après, tes enfants, qu'est-ce qu'ils auront ? Ils n'auront plus que des ruines. Papa, maman, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as fait quelque chose pour que je sois aujourd'hui heureux ? Alors tu n'auras rien fait. Tu leur auras seulement montré comment devenir malheureux. Tu leur as dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants.
on les met dans une société pour pouvoir faire perdurer la société, pour que la société continue ainsi. Et on se dit aimer nos enfants. Ce sera une catastrophe. Il n'y aura que des ruines. Nos générations d'après n'auront plus rien. Et nous en sommes tous responsables. Parce que c'est ce que nous perpétuons. Alors, est-il possible d'être l'acteur d'un lendemain qui sera totalement différent de ce que tu vis maintenant? Le secret, c'est que ce que tu vis maintenant, si tu ne changes pas maintenant, alors demain, ce sera pareil. Donc, être concerné par ça, ça demande beaucoup d'attention, parce que tu sais qu'on est tous distraits par ce monde. Ce monde nous embarque, l'esprit s'endort, on se trouve une zone de confort et on ne fait plus rien, on est à l'aise, on se fait plaisir et on n'a plus la faculté d'agir parce qu'on est endormi, on est dans le rêve, on est dans quelque chose qu'on a pensé qui serait notre sécurité. Donc on ne fait plus rien. La seule chose qu'on fait, c'est de continuer comme d'habitude. Et tu vois, cette habitude, si tu t'arrêtes pas, pour comprendre que ces habitudes, c'est seulement un endormissement que tu as, que tu ne vis pas à ce moment-là, que tu ne manifestes rien, et que là, dans ces habitudes, tu attends que quelque chose arrive pour que tu sois joyeux, alors peut-être que tu pourras créer maintenant, à partir de maintenant, parce que ça vient de chacun d'entre nous, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, de faire en sorte qu'on agisse, non pas par l'habitude, non pas par convoitise, non pas par intérêt, mais qu'on agisse pour qu'on puisse donner autour de nous un environnement où il est possible de s'unir les uns les autres. De s'unir, parce que quand on est unis, les choses changent. Quand on est unis, on a envie qu'on soit joyeux. On a envie que l'autre puisse participer à l'émerveillement que tu as. Quand tu vois la beauté de la fleur, tu n'aimerais pas que tout le monde le sache. Quand tu vois la beauté de l'oiseau qui s'envole, tu prends ton fusil et tu le tues. Ce serait dommage, tu n'as plus de beauté. Tu vois comment nous sommes les hommes, parce que nous sommes avides de plaisir. Nous voulons le plaisir plutôt que la joie de vivre, la joie d'accueillir la vie vers nous et d'en être émerveillé. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons la prendre et la mettre en cage, cette vie. Parce que cette vie ne nous convient pas comme elle est. Elle doit être à notre goût. Donc on tue l'oiseau, on fait des guerres, on se maltraite les uns les autres, on se condamne les uns les autres, on se juge les uns les autres parce que ça ne nous plaît pas. On ne voudrait pas la vie qui soit une vie pleine d'amour. On veut une vie à notre goût, que les gens nous servent, que les gens soient malheureux, mais qui nous servent. Et donc nous faisons une société où tout le monde sert les uns les autres. On s'abîme les uns les autres. On se fait servir les uns les autres pour être dans sa petite zone de confort et tous les privilèges que tu as. Ça vient de tous ces gens-là. Comment tu traites ces gens? Comment tu traites l'humanité? Comment tu regardes la vie? C'est à nous de savoir. Parce que, tu vois, peut-être que je dis ça, c'est peut-être, ça ne va pas rentrer dans beaucoup d'oreilles, mais
nous sommes tous, quelque part, si tu regardes bien, nous avons tous cette responsabilité, la responsabilité d'aimer, d'aimer pour que tout le monde puisse être joyeux, heureux. Mais quand tu veux être aimé, il y a un problème, parce que tu seras déçu. Mais si tout le monde aime, tout le monde aime, tu n'as pas besoin de prendre, puisque tout vient à toi.